Une université, vous avez une école, vous avez même des banques. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous voulez quelque chose et que vous vous mettez là-dessus, certainement qu'il y aura un résultat positif. Et c'est pareil dans la commune de Bandalungwa. Je reçois sur ce plateau, pour la toute première fois, monsieur Hippolyte, moi je l'aime bien, j'aime bien l'appeler tonton Hippo, Kimbalanga, journaliste de son état, bien sûr. Bonjour tonton Hippo, Bonjour, bienvenue à Kinshasa. merci. Ça se passe bien? Oh, ça se passe pas trop bien, mais ça va, j'aime bien. Un peu fatigué. Oh, non, non, non. Bonjour les embouteillages. Oui, bon, j'ai l'habitude quand même. Non, il y a du travail. Ah ouais, il y a Il du y a travail. beaucoup à faire, il y a du Ah. travail. Raison pour laquelle il y a eu un appel lancé par le chef de l'État, dit, même vous là, vous qui êtes de la diaspora, venez, venez, on va construire ensemble. Vous faites partie de ceux-là qui répondent présent à cet appel? Oui, j'ai fait partie de ceux qui croient que ce pays sera encore plus grand dans l'avenir et il faut commencer petit pour avoir encore une vision plus grande. On a pensé à notre commune qu'on considère comme notre village, hein, Ah ouais. Bandalungwa, qu'on appelle intimement Bandal, hein, Ah ouais. Ndal. On a pensé à cette commune qui est la commune la plus populaire de la RDC. OK. Par nos musiciens, par nos hommes politiques, par des intellectuels qui sont passés par là. Et voilà, nous avons pensé, il faut qu'on bouge maintenant. Nous sommes en 2023, 63 ans après l'indépendance. On a assez vanté Bandal. On s'est plaint beaucoup, on a trop pleuré. Il faut se mettre au travail. Voilà pourquoi on veut lancer ce projet. Quand on parle du projet, j'ai eu à vous l'annoncer, à vous le proposer. Je vais encore revenir là-dessus avant d'entrer ou encore avant d'éventrer le boa avec tonton Hippo qui est sur ce plateau. Machini, si nous parlons le même langage, nous allons prendre cet élément. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Hein, Bandalungwa de Wenge, Bandalungwa de Fali, Bandalungwa de Redin Poichibangu, Bandalungwa de Maman Sylvie Elenge Nyembo, grand prêtre mère, DG de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, Bandal de Dieudonné Angoumba, hein, Tiki Mwalingwala, Nicolas Zana Bandal. Bandal, il y a qui encore? Redin. Bandal, il y en a Nisus. Yebibanebela Bandal. Bandal, j'avais déjà dit, Patrick Muyaya Katembo, les jeunes Mbappé. Qui encore? Nicole Dibambou. Bandal de qui encore? Il y a Patrice Ngoy Moussoko. Oh, alléluia. Viens la pêche au bambou, t'es là, place aux alliés. Nous allons suivre cet élément, nous allons revenir pour continuer à exploiter l'élément avec Tonton Hippo. C'est parti, Machini. Bandal au monde de naïe n'a sa qu'à si mal en la brouette n'a la maman l'ipeka la coquille et ça va symbole c'est à dire ce que bisonio so ton père si ça qu'à si ma moko ton à maman à école à plus de 30 salles de classe bana bandal depuis bandal et bandati les lots de l'équipe plus de 7 millions. Tous encore 100 000 nabisso, ou tout le monde a payé ça qu'à cima, donc ton école mounena. Tout ça, la n'est pas parent, la monsieur Basalaka, n'a 73, un city salon, famille, moi, comment que paye ça qu'à 10 briques. Mais tout le monde est plus pratique, tout c'est n'a ça qu'à cima, n'a moutoumou, comment qu'on, ton famille, ton, oh, ça qu'à la bonne volonté, tout bon que ça bandale nabisso, tout comme ça bandale vraiment un pari. Faisons de Bandal un pari, un défi à relever. Tonton Hippo, pendant que vous serez en train de parler, Nalingi Batouba découvrir ce qui va se passer. Nenge Lokwana et Zobotama Namabele,
pendant que vous serez en train de lancer un appel à tous les Ndalois, Ndaloises, mm-hmm. au Bakolanda. On a dit, il faut répéter Malobanata 1000 fois pour Ekota. C'est parti. Donc, tu décides qui Machini, l'illustration, si on bandal peut avoir. Salibiso, Tokomalelo, journaliste, musicien, intellectuel. Parce que tu as qui chante ça, le canabandal. Il y a un autre décidé, Totonga, école. Dans ton sang, boy. Et au coma boy. Kospaki, au coma boy. Ouais. Et au coma boy, c'est trop cher. C'est une façon pour nous de voir grand. Voilà. D'Etolobi, Bandal, c'est grand. Wenge, Bandal, dans un tunnel, il y a. Dibaboma. Les lois, comment patrimoine. Voilà, puisque Bazaré, on va voir grand. Ok. Ça, c'est Bandal. Bissot, tu veux tout voir grand. Ah, extraordinaire. Tu vraiment tout ton école, Oyo. Kosbaki, tout transformé côté Oana. Et vous avez l'école avec 30 salles de classe. Et ça, façon, mon pont, Bissot, pour soutenir d'abord gratuité. C'est gratuité, c'est bien, mais ce bas dans la classe, bas à 50, et ça, sérieux. Il y a tenu tout ça à l'école, on a 30 salles de classe. Mais, bah, tu vois, quand même, bon, mais belé, ou ta wapi. Machini, go l'embangote, tu es l'abisson, vraiment, donc, tu reliens en sans modération, donc, tout ça à la table, donc, excès de table, quoi, ma bézette. Voilà. Donc, bon, tu ressens, dès une pote ton école, il y a un tournant, tu lancé appel, la bancien bandal. Qu'est-ce que bancien bandal? Bah, on va connaître avec Bandal, d'une façon ou d'une autre. Banana Bissot, Bako, qu'on a Bissot. Nega Salomon, ton aïe temple, et où ta contribution, où ta qui part. Voilà. Ok. Ton Senga, la Moutoumoko, contribution, et à Sakya Sima Moko. T'as plus de 7 millions. On a déjà Maman Sylvie et Lengue Nyembo. On a eu raté. Sakya Sima Moko, t'as boyoté, Moko Kaka. T'as plus de 7 millions. Il y a des gens en contact? Vous m'avez dit qu'il n'y a pas contact? Non. On annonce d'abord. Je salue l'entrée dans ce plateau, hein, dans ce studio du grand prêtre Mboutakis. Salutations spéciales, doyen. Ah ouais. Tous en campagne, pendant 2 mois et demi ou 3 mois au plus, il faut qu'on s'en empêche. Il faut qu'on explique tout. Il faut tout comprendre. Et puis, tu rebondes à ce Kokongola. Donc, objectif est Ali, moto la moto est dans 5 à 6 manaïe. Et après, bah, matériel de construction, pourquoi pas? Moi, barre de fer, moi, boy, le budget est colossal. C'est entre 1 million et quelques 3 millions de dollars. Voilà. C'est beaucoup. Sauf que vous n'avez pas de panaïo, mais ce que vous avez dit, 5 à 6 manaïe, à l'espace d'une année, tu ton école. Tu créé une chaîne de solidarité. Bison poto tu Bandé qu'on a vu sur ça s'abattait à travers le monde. Tout voir grand puisque tout ça bandal. Dans tout ça, Kassima, école et Kobima à l'espace d'une année. Mais je voudrais aussi dire, hein, au-delà d'être journaliste, c'est Tonton Hippo qui a écrit et qui a lancé le film Bandal sur Paris. Il s'est inspiré de l'émission d'une commune à une autre. Là, nous allons revenir au prochain numéro parce qu'il faut vraiment tout faire de la route. On va sectionner. Mais moi, il fallait signaler parce que je me suis senti honoré d'apprendre qu'il y avait un Congolais qui a investi près de 20 000 dollars pour un film Bandal sur Paris inspiré de l'émission d'une commune à une autre. Oui, il faut dire aussi, c'est grâce à votre émission que Projet et Salabi. Ah, j'étais chez moi, je regardais votre émission, on a commis fan, j'ai dit, mais pourquoi pas? Bandal, on est comme un boy. Ouais. On peut faire quelque chose. Ouais. Ah, j'ai commencé par le film en 2015, ça fait 8 ans ce projet. Ouais, ouais. 2015, Bandal sur Paris, c'est une façon pour moi de raconter l'histoire à Bandal et puis sensibiliser Batou. Okay. Les gens peuvent suivre ça sur YouTube. Bandal sur Paris, on l'a diffusé depuis le mois d'avril. Bandal sur Paris, on raconte l'histoire, tout ça pour les mêmes locaux. Okay. On raconte pas pour rien, c'est pour amener dans ces projets colossaux une grande école avec 30 salles de classe, laboratoire d'informatique où les enfants d'école primaire, Barouya, pour apprendre l'informatique. Dès le bas âge, déjà l'informatique. Dès l'école primaire. Ok. Et puis l'après-midi, Tolingi, vraiment. École Wana et Kozalakaka, école technique. Crise des Ali, ouvrez Baming. J'ai vu un extrait là, c'est Bandal sur Paris. Ah, merci beaucoup, monsieur le réalisateur. Ah, au moins, on a l'extrait des Bandal sur Paris.
Il faut dire aussi, c'est grâce à votre émission que Projet est Salabi. Oh. Ah, j'étais chez moi, je regardais votre émission, on a comme une fan, je dis, mais pourquoi pas? Banda Langue comme Aboué. Ouais. On peut faire quelque chose. Ouais. Ah, j'ai commencé par le film en 2015, ça fait 8 ans ce projet. Ouais, ouais. 2015, Bandal sur Paris, c'est une façon pour moi de raconter l'histoire à Bandal et puis sensibiliser Batou. Okay. Les gens peuvent suivre ça sur YouTube. Mm-hmm. Bandal sur Paris, on l'a diffusé depuis le mois d'avril. Ouais, ouais. Bandal sur Paris, on raconte l'histoire, tout ça pour les mêmes le local. Okay. On raconte pas pour rien. C'est pour amener dans ces projets colossaux une grande école avec 30 salles de classe, laboratoire d'informatique où les enfants d'école primaire, Barouya, pour apprendre l'informatique. Dès le bas âge, déjà l'informatique. Dès l'école primaire. Ok. Et puis l'après-midi, Tolingi, vraiment, école Wana, école technique. Crise des Ali, ouvrez Baming. J'ai vu un extrait là, c'est Bandal sur Paris. Ah, merci beaucoup, monsieur le réalisateur. Ah, au moins, on a l'extrait des Bandal sur Paris. Ouais. J'aime la suite de la phrase, inspirée de l'émission d'une commune à une autre. Voilà, on est parti du film. Voilà. Pour finir par ce projet. Ok. Hein, je remercie la RTNC. Je remercie votre émission. Très flatté. Qui m'a inspiré avec des amis à Paris et des amis ici, dont. Qui se loquait. Grand prêtre. Oui. Moutakis. Donc on s'est dit, non, il faut se lever. Ouais. Il faut que tout l'homme s'abandonne, tout le monde a grand, une grande école. École primaire le matin, l'après-midi, ça sera une école technique. Ok. Bissobabou, les conseils, Poussanine, la Poto, près de la retraite, Tozon Conté, Tozonga. On va apporter notre pierre. Donc nous allons signer un partenariat avec l'école. Donc, il faut prendre le temps, l'administration, il y a beaucoup de choses à faire avant. Avec la gratuité, oui, soutenir, on soutient. Déjà, au départ, c'est de soutenir la gratuité. Okay. La gratuité, c'est bien, mais il faut que ça soit des qualités. Okay. Donc, on peut retrouver une école, des classes, collège Boboto à Bandal, c'est possible. Très bien. Oui, il suffit volonté, Zala. Chacun amène sa pierre, c'est-à-dire sa kassima mon kokaka. Et on y va. Voilà. D'une activité à une autre, comme dans la commune de Lemba. Le concours, l'avenue la plus propre de la commune de Lemba, une enveloppe vient d'être lancée de 1000 dollars américains, signée M. Alain Tendai, c'est-à-dire dans 30 jours, nous allons annoncer ici, dans une commune à une autre, quelle est l'avenue la plus propre de la commune de Lemba. Et l'enveloppe sera bel et bien octroyée à tous ces jeunes-là qui vont travailler pour le rayonnement. Il y a venu Nabangodobalobi, Lemba Mobimba avec ses quartiers. L'avenue la plus propre, c'est-à-dire propriété Banina Ruelle, Eye Liboso, coin Oyoti, coin Oyopi, et Pelaminda. C'est-à-dire autant Bwanabutu, Olobi, non, je suis chez moi à Kinshasa, je suis fier. L'enveloppe est placée, elle s'élève à 1000 dollars, elle est signée à l'Intendai Air Force One. Tonton Hippo, on va se séparer, mais un dernier mot pour tous ceux-là qui sont en train de vous suivre. Prenez votre temps. Bon, moi je m'adresserai d'abord aux célébrités. Voilà. Bah toi les laka, président Salabiso Boye. Ah, maman Niaker ou Salabiso Té. Maman Niaker ou pas à moi la bandale. Afin d'une bandale, attendre la bandale. Ouais. On a profité l'antenne, on a s'adressé à la coupe présidentielle. Même le président a vécu à bandale. Eh ben, on ne peut pas envoyer la bandale. Dis-le le Zali. Ring la bandale. Famille Mobutu Bazawana. Ouais. Totangi Bango Pobamba plus célèbre. Ouais. Bisotourle la terre. Ah, président Tala, maman Nyakiru, maman Denise, au fond dans la bandale, au temps dans la bandale. Toi, quand on a besoin de quelques sacs à ciment pour te réaliser le coup. Écoute. Monsieur le président, au lecan la bandale, toi, on a besoin de millions de juste quelques sacs de ciment. Il y a un ciment à béton. Toi, on a besoin de caca. Il y a quelques sacs de ciment pour te réaliser Révoyo. Ce qui m'a toujours dit, c'est que ciment là, en quelques mois, pour le plus difficile ici, c'est la fondation. Okay. Le reste, c'est vite fait. Okay. Donc, on va s'adresser à Bango d'abord. Narbo Sanate, monsieur le ministre, hein, Patrick Mouyaya. Le jeune Mbappé. Ouais. Aza Banti, il est là, fin de la bandale. Ouais, toujours. Monsieur le ministre, on n'a pas besoin de millions. Juste quelques sacs de ciment pour nous accompagner. Et Nabatou Moussous, Tose Bele, Le Wenge, Werason, Jibem Piana, Fali Poupa, Blaise Boula, Didier Massé, là, Wenge en général.
Jordan Kousaboza et Bélé Oyo, banal, c'est la bonne sanité. Fais rigola. Pour joindre tonton Hippo, faites le plus 33 618 67 24 12. Plus 33 618 27 24 12. Il est sur WhatsApp. C'était un plaisir pour moi de vous accompagner, madame, messieurs. Un grand merci à Héritier Ouattakatendi, Shora Mazazar et Dumpo Echibangu. Ce trio a assuré la prise de vue. Emile Zola était au son. Alain Galia, monsieur l'intendant. Au niveau de la régie finale, la sauce a été concoctée par Machini. Monsieur le réalisateur avec ses lunettes, je vous dis un grand merci. Un petit conseil, madame, messieurs. Vivez aujourd'hui comme si c'était votre tout dernier jour sur Terre. Restez positifs et surtout fidèles au programme de la meilleure des chaînes, la chaîne mère de toutes les chaînes, appellation bien contrôlée. Ciao.